je représente la marque Les Ateliers de la Maille sur le marché russe depuis à peu près 3 ans. Et c'est un vrai travail de fond qu'il y a à faire sur le marché parce que donc, le Cachemire est très demandé étant donné que c'est un pays froid. Mais il y a beaucoup une éducation à faire par rapport à la connaissance des matières, que les clients adhèrent à cette philosophie des choses naturelles à porter. À ce moment-là, on les fidélise complètement et ils reviennent. Donc on s'est bien implanté petit à petit. C'est un travail qui a mis quelques années à s'installer. On a commencé par Moscou, on est rentré dans un très joli grand magasin, très luxueux, qui s'appelle Otsum. Et petit à petit, on est en train de planter nos petits drapeaux. On aime beaucoup donc, rencontrer des nouveaux clients, des nouvelles possibilités pour ouvrir des nouvelles villes. Et on espère toujours sur le salon rencontrer cette clientèle-là. Les Ateliers de la Maille, qui est une marque spécialisée en maille, femmes et hommes, et en fibres végétales et naturelles. Nous avons été beaucoup aidés au niveau des informations et nous avons suivi la fédération partout où nous pouvions effectivement faire un salon. Nous sommes ravis d'avoir démarré Moscou puisqu'on a eu derrière d'excellents résultats et on continue à avoir des résultats et se développer sur le marché russe, mais également sur d'autres pays où nous sommes partis avec la fédération qui ont été, et les salons ont été couronnés de succès. On est ravis et on revient à chaque session. Sud Express est une marque cette année qui a 35 ans, qui connaît un beau maillage sur la France. Nous avons 220 points de vente magasins en France et le but aujourd'hui est de développer la marque à l'étranger, de pousser nos clients à l'export via des salons, d'où notre présence aujourd'hui au CPM, mais il y a aussi un mois au Woznext également. Alors, le marché russe, nous, en 35 ans, notre métier de base était le wholesale, donc on a un portefeuille de clients en Russie. On a signé un vrai partenariat il y a deux saisons maintenant avec les grands magasins Podium Market. Nous avons des corners en implantation et depuis maintenant 6 mois, nous avons signé avec le groupe Benatex qui est distributeur pour nous sur le pays. Je remercie grandement la fédération qui, évidemment, sans eux, nous ne serions pas là et qui nous aide à nous organiser. Nous sommes arrivés hier et tout le package était bien formulé. Nous avons eu un beau stand avec tous les éléments, l'identité de la marque mise en valeur avec un beau logo. Donc merci à eux parce qu'évidemment, ça nous rassure et ça nous pousse à développer encore sur les saisons à venir. Elle existe depuis à peu près 30 ans. C'est une société familiale dirigée par deux frères et une sœur. C'est une société qui a une forte implantation sur la Russie puisque c'est actuellement notre premier marché export. Le CPM, c'est vraiment un lieu de communication plus que de réel business. C'est-à-dire qu'on vient ici pour chercher des nouveaux clients et pour faire du marketing et pour faire comment dire, de l'identité visuelle et redorer un petit peu l'ADN de la marque. Je trouve qu'il y a une belle présence de la fédération, une belle identité. Je trouve que d'ailleurs le nouveau stand est très beau, c'est une belle représentation de Paris. Et je retrouve bien l'identité de la fédération au travers de ce stand. Je pense que c'est très important de montrer qu'effectivement il y a une vraie présence française, une vraie identité. Et je crois qu'ils ont très bien réussi à le faire sur ce stand. Produit avec une influence française évidente et dosé d'un apport de la fantaisie italienne. Ça correspond un peu à notre lieu de naissance à Marseille où on subit inévitablement l'influence méditerranéenne dans la recherche d'une certaine féminité, d'un certain détail. Sur le marché russe, on a travaillé ici depuis je pense 6 ou 7 ans, au départ avec un agent, un distributeur, mais qui ne nous donnait pas satisfaction. Désormais, depuis un an, on travaille directement, c'est-à-dire qu'on
On est à l'écoute de ce que nous disent les clients, des remontées d'informations et on recrée une clientèle à l'image et en adéquation avec notre produit. C'est-à-dire pénétrer en Russie et se faire connaître en Russie sans être au salon de Moscou, ça me paraît être saugrenu. Lauren Vidal donc, a été créée, ça fait 22 ans. C'est une marque pour, bien sûr, pour les femmes. C'est fait pour une femme contemporaine qui a le souci du détail, qui se reconnaît dans une mode qui évolue et qui change en fait maintenant depuis quelques années. Ça fait 12 ans qu'on a démarré avec la Russie. On a un distributeur qui en fait a des magasins en propre et qui également s'occupe de distribuer la marque en Russie, en Ukraine et au Kazakhstan. La fédération, on y est, en fait, on y est content et assez proche parce que c'est un véritable échange. On s'échange en fait des informations sur tous les pays dans lesquels on n'est pas bien implanté, même des informations dans les pays dans lesquels on est implanté. C'est vraiment pour moi un outil qui est à côté en fait de la marque et qui n'est pas en consultation de temps en temps. C'est vraiment la fédération avance avec la marque et voilà, on en est assez satisfait.